Alors les amis, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Ici Albert Dev depuis Brazzaville. Alors une petite vidéo juste pour vous montrer un peu l'historique de mes retraits au sein de l'opportunité d'affaires BixoTrade. Comme ce que je dis, je ne suis pas un conseiller financier, mais je suis un preneur de risques. J'ai investi mon argent là-dedans et donc let's go. Alors je viens ici sur Withdraw Found. Non, je viens sur Report. Report. Voilà, je viens sur Report, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Report. Je clique sur Withdraw. Withdraw Report. Quand je clique sur Withdraw Report, ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez, depuis que j'ai commencé BixoTrade, les différents retraits que j'ai déjà réalisés. Voilà, j'ai retiré le 14 mai 250$, le 19 mai 100$, le 22 mai 66$, le 25 mai 77$, le 2 juin 186$, le 3 juin 105$, le 4 juin 76$, le 9 juin 49$, le 10 juin 42$ et le 12 juin 49$. Tout ce que vous voyez, processus, ça a été déjà payé, ça a été payé. Voilà un peu la petite expérience quoi. Maintenant, en ce qui concerne le pack, j'ai quel pack ici dans cette entreprise? Pour voir le pack, on rentre où s'il vous plaît? On vient d'abord sur pack purchase report, je viens ici, je clique dessus. Voilà le total de mon pack d'investissement, c'est 1096$. Voilà, ça c'est mon pack. Et le pack m'a déjà rapporté au total 174$. Donc les gars, en tout cas, le business est lourd. C'est à nous de faire le choix. Parce que comme on dit souvent, la vie est une question de choix. Et donc moi, mon choix porte sur ce business. Je suis en train d'avancer. Hein? Voilà, donc c'est un peu ça. Je suis conscient des risques que nous rencontrons sur Internet. Mais on ne peut pas arrêter d'investir parce que il y a une plateforme qui ne marche pas ou bien une plateforme scammée. En tout cas, voilà, c'était juste mon partage, quoi. La suite au prochain numéro. Donc, l'unique décision vous revient à vous-même. Merci, ciao, ciao.